100 kg et développé couché. Est-ce que c'est lourd ou pas? Bah oui et non. C'est lourd, oui. Ne laissez jamais les gens vous dire que 100 kg, c'est rien, c'est la base, etc. etc. 100 kg, c'est lourd. Quel que soit son poids de corps, 100 kg, c'est une charge qui est lourde. Donc oui, 100 kg, c'est lourd. Et non, pourquoi je dirais non? Parce que c'est une charge que je pense qui est accessible à pratiquement tout le monde. Certes, plus vous allez avoir un poids de corps qui est assez lourd, plus vous allez être lourd de votre poids de corps, plus vous allez plus facilement atteindre les 100 kg. Plus vous êtes léger, plus c'est difficile. Mais ça, c'est une charge qui va demander beaucoup d'entraînement. C'est un palier, 100 kg. À partir de, quand tu dépasses la barre des 100 kg, tu sens que tu as dépassé un palier. En plus, 100, c'est un peu un chiffre magique. Hein. On se dit tous, je veux lever au moins 5 kg. Même des fois, des mecs qui font 99 kg, ils disent, je vais encore grossir jusqu'à faire 100 kg. C'est un chiffre magique psychologiquement. Donc oui, 100 kg, c'est une lourde charge qui reste accessible à beaucoup de personnes. Hein. Je pense que même les gens de plus de 70 kg peuvent lever 100 kg avec pas mal d'entraînement. Si vous êtes power, vous pouvez même aller plus vite.